Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle séance de mouvement intuitif. Alors, celle-ci est proposée pour un autre moment de vos journées ou de vos semaines. Comme vous voyez, j'ai déjà bien transpiré, mais pas transpiré comme quand je fais du mouvement ou quand je soulève des poids ou quoi que ce soit, c'est de la transpiration de course. Je viens de courir 5 km, c'est pas énorme, mais c'est ce que je sentais que j'avais besoin. Pas tendance à beaucoup courir, peut-être que certains d'entre vous courent beaucoup plus, mais dans tous les cas, c'est pas la quantité de course qui compte, c'est le moment après la course. Parce qu'en fait, il se passe deux choses. Soit on a beaucoup couru, on est très fatigué, et on a tendance à du coup juste faire une sorte de séance de stretching ou d'étirement, et puis ensuite d'arrêter. Soit sinon, comme là, vu que j'ai couru une trentaine de minutes, c'est exactement le moment, on va dire, pour pouvoir faire autre chose derrière. Mais des fois, le mental dit « Oh, c'est pas mal, t'as déjà bien couru 30 minutes, pourquoi en faire plus ?» Mais le corps dit « Bah si, j'aimerais bien quand même bouger un peu plus le haut du corps, faire quelques mouvements de torsion, faire autre chose. » Ou peut-être même aller faire une séance de sport, un autre sport juste après. Du coup, ce moment de transition-là est super important. Et donc, le mouvement intuitif se positionne au bon moment parce que, mine de rien, malgré une 30 minutes de course, soit vous êtes complètement dans votre corps et vous ressentiez vraiment tous les détails parce que vous avez fait une course qui était très consciente, soit vous avez écouté de la musique ou écouté un podcast ou tout autre chose, dans ce cas-là, au final, vous êtes un petit peu à côté de votre corps. Donc, cette petite séance, qui se veut normalement assez courte, mais vu que c'est improvisé, on va bien voir, se veut être la transition idéale pour arriver à remettre une envie de mouvement, ou du moins écouter ce que dit le corps. Peut-être que votre corps vous dira non, ça suffit pour aujourd'hui, et peut-être qu'il vous dira bah oui, en effet, là, j'ai besoin de bouger autre chose. Donc, je vous invite à, contrairement à d'habitude où on est en jambes croisées, je vais vous inviter à écarter les jambes parce qu'on vient de beaucoup les utiliser, vu qu'on a couru. Et donc, on a besoin de leur laisser un petit peu de répit, de repos, et puis aussi de venir travailler un petit peu ici, au niveau des hanches, au niveau des adducteurs, des tendons, parce que mine de rien, quand on court, ici j'ai couru sur un tapis, mais j'aurais pu courir dehors, avec des baskets plus ou moins bien, ou sinon je peux courir pieds nus si je suis habitué, mais c'est pareil, si vous courez sur du goudron par exemple, ou du sol dur, ça fait beaucoup de choc dans tout le corps. Alors le choc, ça fait du bien, toutes les vibrations en fait viennent bouger les fascias, donc vous en gros massez le corps pendant que vous courez, mais ça va aussi faire des chocs au niveau des ligaments et des os. Donc l'idée, voilà, c'est de revenir en fermant les yeux, se recentrer dans vos jambes pour vraiment sentir ce qui s'est passé pendant cette course, sentir si vos jambes sont vraiment fatiguées ou si elles ont un petit peu encaissé, sans pour autant que ce soit un peu trop douloureux. Vous avez aussi la possibilité de mêler un étirement, donc en descendant sur une jambe. En même temps, si vous êtes assez souple, sinon si vous n'êtes pas assez souple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire comme ça, pas exactement le même type d'étirement, mais ça peut être agréable aussi, ou même carrément vous mettre comme ça, si c'est plus simple pour vous, et vous massez un peu les pieds. Parce que les pieds, c'est pareil, ils ont été enfermés dans des chaussures, donc vous pouvez écarter les orteils comme je suis en train de faire là. Ils ont été enfermés dans les chaussures et du coup, ils ont besoin de pouvoir retrouver de l'espace, retrouver de la liberté et puis qu'on en prenne soin parce qu'au final, ils ont bien encaissé des chocs. Et puis se masser les pieds, c'était toujours bien. Donc voilà, vous pouvez vous masser un peu les pieds. Et puis si vous avez envie, vous remontez aussi sur la jambe pour masser aussi la jambe. Et une partie de votre corps qui est bien bossée, ça va être la cuisse. Donc vous pouvez bien masser la cuisse. Voilà. Et puis bien entendu, il fait du bien aussi de secouer. Parce que ça va vraiment faire circuler les fluides en fait qui sont dans les jambes, les hormones qui sont redescendues, le muscle aussi par la vibration vient se relâcher. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ramasser les pieds. Donc comme je disais, si c'est trop dur, en se penchant sur la jambe, vous pouvez le faire juste là, comme ça. Voilà, ramasser les pieds.
Vous pouvez fermer les yeux, comme ça vous êtes vraiment dans les sensations de vos pieds. Normalement, ça fait super du bien. Vous pouvez écarter les orteils aussi pour vous donner un peu d'espace. Laissez les jambes, les mollets, monter sur le dos. Voilà, laissez-moi secouer votre jambe. Vous secouez les deux ensemble, non? En vous appuyant sur vos mains à l'arrière et en jouant les fesses. Voilà. Et puis, comme dans d'autres sessions, vous pouvez venir faire des bascules de hanches. Là, c'est plus pour voir un peu ce qui se passe au niveau de vos hanches. Vous avez les pieds écarts et puis vous venez plonger le genou gauche en même temps que vous plongez le genou droit à l'extérieur, genou gauche à l'intérieur. Puis vous alternez de l'autre côté en essayant de commencer par le genou qui se lève. Qui va embarquer l'autre, le genou du centre se lève, qui va embarquer l'autre. Alors, si vous sentez le besoin de faire une petite tension comme moi, vous pouvez descendre un peu sur votre jambe. Hop, esquive de l'autre côté. Descendre aussi un peu sur votre jambe. On va refaire un côté puis l'autre. Voilà, l'autre côté. Et là, au niveau des jambes, on semble être pas mal. Normalement, après avoir couru, vous avez une assez bonne ouverture. Donc, vous pouvez vous mettre en squat comme moi. Pour pareil, hein, c'est trop difficile, vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds ou mettre un tapis roulé ou quelque chose, un livre par exemple, aussi sous les talons pour faciliter le squat. Et venir bien tendre le dos. Que ça soit bien droit. Et puis, venir vous relever. Entendu. Retirez un peu les jambes. Et étirez aussi la colonne. Et vous allez sûrement vous rendre compte. Donc là, on va redescendre en squat. Je vous mets de côté pour que vous voyez bien la posture. Essayez d'être le dos le plus droit possible. Et de redescendre sur les jambes. Vous allez sentir certainement dans vos hanches, donc plus haut, au niveau du dos peut-être, l'impact de la course dans votre corps. Hop, on va redescendre. On inspire. Et puis on va redescendre, on va souffler. Voilà, on va vous relever. N'hésitez pas à secouer un peu les jambes, à marcher sur votre tapis, le tout avec les yeux fermés, pour vous permettre de vraiment ressentir un peu ce qui se passe dans votre corps et ce que vous dit votre corps. Est-ce qu'il vous dit que c'est vraiment le moment de vous arrêter, ou est-ce qu'il vous dit que ben il y a une bonne activité dans le bas du corps, que c'est ce que me dit mon corps là, une bonne activité dans le bas du corps, mais que il manque dans le haut. Donc dans ce cas-là, ça m'invite à me mettre un peu sur les mains, sur les bras, à quatre pattes comme ici. Et venir un petit peu travailler déjà dans les poignets pour remettre de la tension dans les bras. Et puis faire des torsions aussi au niveau du dos. Vous pouvez faire la vache. Oui, ils sont du chat. La vache. Oui, ils sont du chat. Avec les mains, tentez d'essayer. Essayez les mains dans différentes positions, même à l'envers, comme ça, si ça passe chez vous. Et de faire aussi la position de la vache et du chat. Tout en restant chaque fois en mouvement, pas obligé d'être statique. Ce qui compte, c'est de continuer à faire bouger cette colonne pour faire circuler, laisser les fascias se repositionner, étirer les tissus. Quand vous sentez que c'est à peu près bon dans vos bras, vous pouvez vous mettre en position de chien tête en bas. Et donc, on va pouvoir commencer à chauffer un peu les bras avec cette posture.
où on va pouvoir, par exemple, se mettre juste sur le bras gauche. Et avec ce bras-là, vous pouvez le mettre soit en l'air, soit sinon, si vous voulez aussi travailler une torsion, vous pouvez essayer de chercher votre cheville gauche. Puis tirer dessus. On va faire pareil de l'autre côté. Soit le bras en l'air. Soit on va chercher la cheville. Si jamais vous n'êtes pas assez souple, bien entendu, vous pouvez toujours plier la jambe. Même en plier une seule. Ou même vous mettre en mouvement comme ça. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de mettre de la tension justement dans le haut du corps, les épaules, les bras. Et on va venir faire des vagues maintenant. Toujours du bien. Vous allez plier les jambes. Et puis vous allez venir vous mettre en planche. Et sur le chemin, vous allez arrondir le plus possible le dos. Pour vous dérouler à la fin. Et vous retrouver en planche. Alors vous voyez que ma planche n'est pas complètement plate. Parce que l'idée, c'est surtout de bien pousser dans les bras. Et puis de contracter les abdos et les fesses. Ce qui va faire une planche droite à l'arrière. Et un dos qui est bien renforcé sur le haut. Et vous allez pouvoir maintenant faire des allers-retours comme ça. Vers l'avant. Et puis, des petites rotations si vous êtes à l'aise aussi. Et l'autre côté. Voilà. Et puis, là, vous allez pouvoir revenir en enroulant sur la position de chien tête en bas. Voilà, repositionnez-vous bien quand vous êtes à l'aise. Vous pouvez bouger les jambes. On va refaire la même. On va enrouler vers l'avant. Et quand on arrive en planche, cette fois, on la positionne bien. Et sur un décompte de 5 secondes, on va descendre au sol. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Restez en position basse, sans poser au sol. Et on va remonter sur 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, super. Là, si vous voulez, vous pourrez un petit peu basculer les hanches. Si ça chauffe trop dans les bras, vous avez aussi le droit de poser les genoux tout en gardant le plus possible votre poids sur les bras et les épaules. C'est là-haut maintenant qu'on a envie d'activer les jambes. C'est bon. Hop, on va se remettre en position chez tête en bas. Et on va refaire une belle vague pour aller s'installer en planche. Et on décompte 5, 4, 3, 2, 1. On reste en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Du coup, là, on peut poser les genoux. On va venir se mettre en position de l'enfance. Les fesses sur les talons. Et puis là, suivez bien le mouvement. Donc, les mains au sol. Vous allez pouvoir même poser les avant-bras. Et vous allez basculer le poids du corps sur les genoux et vers l'avant. Et puis, basculer le poids du corps sur les mains pour remonter en chien tête en haut en sentant bien les épaules. Et là, vous pouvez en profiter pour bien étirer votre dos. Et ça va aussi étirer l'avant de vos hanches. Et normalement, après la course, ça fait du bien. Voilà. Et on va faire la vague inverse pour revenir en chien tête en bas. Voilà. Vous allez marcher avec les mains pour revenir tranquillement étirer les jambes. Étirer la colonne. Et puis, on va remonter avec le dos rond. Et on va faire quelques remonter, descendre, comme ça, très souple. Et encore une fois, on ne cherche pas à ce que ça soit beau. On cherche juste à ce que ça fasse du bien. Et qu'on sente que ça vient d'activer la colonne vertébrale. Oh. Et on ne sait pas tomber. Pas perdre l'équilibre. Même si on fait ça, les yeux fermés.
Voilà. Et là, en ce qui me concerne, je sens que j'ai le haut du corps qui est suffisamment prêt pour pouvoir basculer sur d'autres types d'exercices. Donc, si jamais vous êtes chez vous, où vous avez juste un tapis, vous allez pouvoir, bah, par exemple, faire du yoga, ou vous allez pouvoir, par exemple, vous faire des exercices de planche, des exercices de pompe, tout ce qui peut faire du bien aussi, en travaillant sur les épaules. Vous pouvez faire aussi la position du dauphin, celle-là. Voilà. Et puis après, suivant vos habitudes, vous pouvez essayer de décoller des jambes. Vous pouvez essayer de faire des équilibres. Voilà, donc ça, c'est des mouvements qui sont assez proches du yoga. Moi, vu que je suis dans une salle de sport, profitez pour utiliser un petit peu les poids, la barre qui est à côté, là, pour faire des tractions, du rameur aussi, pour continuer à bouger. Et à vous de voir comment vous vous sentez. En tout cas, normalement, là, après ce type de mouvement et cette reconnexion, vous êtes potentiellement revenu. En gros, vous avez réussi à vous étirer, à redescendre de l'activité de course, et vous avez pu enclencher un début d'autres types de mouvements, et votre corps peut réclamer de continuer là-dedans. Dans ce cas-là, je vous invite à le faire. Normalement, vous êtes prêt à pouvoir bouger. Donc, merci à vous. Vous pouvez arrêter cette vidéo, et puis bah, je vous invite à continuer à bouger comme votre corps vous le réclame. À bientôt pour une prochaine séance.